Hop, allez, salut YouTube. Partie 19 de Zelda Breath of the Wild, tout de suite. La suite directe de la partie 19. Gentiment intitulé Chameau, puisque deux boss. Et donc là, on est au village Gerudo, hein, c'est ça. Donc on va aller voir ce qui se passe. Bonjour, donc ça, ce sont les gardes, hein, les dames qui gardent. Elles sont musclées, hein, elles sont très musclées. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bonjour. On ne bouge plus, tu comptes aller où comme ça? La cité Gerudo est interdite aux Voi. Fiche le camp. Les Voi, c'est des boys, c'est des garçons, non? Ah oui. Donc il va falloir que j'entre en douce là, je pense, parce que en fait, je peux pas entrer, c'est une cité réservée aux femmes. Ou alors j'achète un déguisement. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du cirque. Ça va, ta? Ça va, ta? Putain, elle a des abdos, hein, la dame. Dis pas que tu as traversé les airs Gerudo à pied. Si, si. T'as dû te faire une belle trotte. Nous autres Gerudo avons l'habitude d'utiliser des morses des sables pour nous déplacer dans le désert. Je m'appelle Fressa. Ça va, ta? C'est justement une boutique de location de morses dans la cité. Les morses sont domestiquées, alors tout le monde peut les conduire facilement. Si tu as des questions à propos des morses, viens me voir, je suis une spécialiste, ouais. Fantastique. Et alors, je peux lui monter dessus, lui? Ah, ils ont peur de moi. Essaye d'approcher doucement. Comment ils plongent? Excellent. Ah, bon. Mais ça arrange pas mes affaires, ça. Il me faut un costume. Un costard. Ah mais attends, je peux grimper. Je peux grimper, de toute façon. Juste me mettre à un endroit safe. Tiens, t'es qui toi? Tu vendrais pas des costumes à tout hasard? C'est louche. Je peux t'aider, tu mates? Pas du tout, tu te trompes. C'est Benjamin. Benjamin. Je suis un marchand, je suis même le chef d'une caravane. Nous sommes venus de si loin pour finalement nous apercevoir que les cités étaient interdites aux hommes. Les gardes ne veulent vraiment pas nous laisser entrer. Nous voilà bien embêtés maintenant. Ouais, donc j'ai pas le choix. Mais non, je mate pas, je mène l'enquête. Facile ça. D'ailleurs, j'ai déjà trouvé toutes les infos dont j'avais besoin pour infiltrer la cité Gerudo. Je vais te faire part de ce que j'ai trouvé, tiens. Voilà, ça fait bien une semaine que je suis arrivé ici. Une semaine, ah ouais. Donc plus les fois où j'ai essayé d'entrer dans la cité où les gardes m'ont chassé, j'étais sur le point d'abandonner. Moi quand j'ai appris qu'un homme avait réussi à s'infiltrer dans la cité malgré les gardes. Ouais, il semblerait que ce soit un marchand. Il fait la navette entre le bazar à sec et la cité Gerudo. Alors, bah j'attends. Intégrer la cité des femmes. Nouvel objectif. Ouais, super. Ça va m'avancer ou pas ça? Je sais pas. Oh. Il semblerait qu'un homme se soit infiltré dans la cité. Ouais, d'accord. Il ferait la navette entre la cité et le bazar à sec. Mais where is the bazar à sec? Where is the bazar? C'est pas là-bas le bazar, à tout hasard. Est-ce que ça serait pas là-bas le bazar? Tu es où, moi? Ici? Ça, c'est quoi? Le bazar à sec, il est là. Ah... Le bazar à sec est tout simplement là. Je peux pas louer un morse truc là, madame. Je veux en attraper, s'il vous plaît. Ils sont sensibles au son, le seul truc c'est de les approcher sans un bruit. Ça peut être très frustrant d'essayer d'en attraper un, la plupart des Gerudo préfèrent louer. S'accroupir. Arrête de réfléchir et lance-toi. Rien ne vaut la pratique, ok. Si tu n'arrives pas à attraper un morse, tu peux en louer un dans ma boutique. Ma boutique est à l'intérieur de la cité. Ah ouais, d'accord. Vas-y, je vais en attraper un. Oh! Ah, il se fait de l'air avec sa queue.
Il se rafraîchit le visage avec sa queue, c'est original. Ben voilà, c'est fait. C'est excellent. Je suis en train de kiffer encore plus ce jeu grâce à cette feature de morse des sables. J'ai une passion secrète pour les morses. C'est fou, c'est fou. Attends, where is the bazar à sac? C'est juste là, là. Qu'est-ce que tu fais? Ah mais il veut pas entrer dans le canyon là. Je crois qu'il veut pas entrer dans le canyon. Il y a plus de sable, c'est de la caillasse. Ok. Effectivement. Effectivement. Bon. Voici donc le bazar à sac. Bonjour madame. Oh. Qui êtes-vous? J'ai pas l'impression que mon chef va revenir de sitôt de la cité Gerudo. J'espère qu'il va bien. Un homme est entré, ouais. Je donne des infos. Je suis sympa. Oh. Entré où? Non, tu veux dire dans la cité Gerudo? Ah, il se trouve maintenant au bazar à sec. Ah, si c'est le chef qui t'a dit ça, ça doit être vrai. Mmh. Je vois pas du tout qui ça pourrait être. J'ai bien aperçu une jolie hylienne à l'épicerie, ce qui est assez inhabituel, mais bon. Elle portait ses vêtements Gerudo. Hein, elle me demande si... d'accord. Il est resté trop longtemps au soleil. Hein. Attends, l'épicerie, l'épicerie. Ah putain, t'es kiki, toi. What the... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais, toi? Mais qu'est-ce que tu fais, jeune... jeune... hein? Chien. Et ça patache. Parce que ma fille a dit Yayoué que je sais pas ce que ça veut dire. Merci Titi pour la donation. Merci beaucoup, c'est gentil. Parce que ma fille a dit Yayou. Voilà. Yayou. Yayou, c'est un toutou. Il y a un joli toutou. Ah, j'ai vais toucher le museau. Oh, il y a touché le museau. Ouais. C'est beau, hein. Très beau. attends, où est-ce qu'on est là? Ça va? Ça va, Kita? Ils sont rigolos, les gens. Hop. T'es qui, toi? Mmh. T'es un voy. On va dire ça, hein. Salut God, bonjour. Écoute pas ce que je dis, je suis Cornuillet. Cornuillet. Mmh. Mmh. Stupid tradition. Si ça tenait qu'à moi, quelle tradition? Pas vraiment tes oignons, il y a, mais... Quand une Gerudo atteint à peu près mon âge, les gens de son entourage deviennent super pénibles. Pourquoi? Je sais pas. Quand une Gerudo atteint mon âge, la tradition veut qu'elle quitte la cité pour se chercher un mari. Ah... On appelle ça la chasse au voy. J'ai même pris des cours de cuisine et de couture. Ah ouais, effectivement. C'est vraiment ça que les voy attendent d'une vaille. Misère. Un voy potable, ça existe? Je ne sais pas, ça m'est égal. Regarde, hop. Je me rafraîchis. Attends, c'est qui toi? Ah non, putain, je reconnaissais pas. Je crois qu'elle avait une poupée russe sur la tête. Mais non, c'est... c'est pas une poupée russe sur la tête. C'est juste sa coiffure, d'accord. Bonjour. Poupée russe. N'importe quoi. Attends, il y a quelqu'un là aussi? Ah, ça c'est un piaf. Alors, je vais aller à l'épicerie. Bonjour.
pas une personne déguisée là? C'est pas l'épicerie ça, si? Mais non, c'est pas l'épicerie, si? Je sais pas. Bon, je vais poser la question à la patronne. Mérisse. Vasak. Vasak. Hein? Si j'ai vu un marchand, ouais, je ne crois pas, non. Si tu cherches une marchande, par contre, il y en a toujours une en train de se rafraîchir sur le toit. Ah, bah voilà. Parfait. Non, je n'ai plus besoin de toi, pardon. Voilà. Merci, au revoir. C'est vrai qu'il y a plein de trucs. Donc j'ai vu une échelle. Non, il n'y avait pas une échelle, là, sur le toit. Oui, voilà. Tu dirais de chasser avec moi? Je sais pas si je vais avoir le temps de refaire du The Hunter Call of the Wild. Là. Tu veux chasser, toi? Moi, je serais plutôt pêche, tu vois. Vraiment, en plus. Non, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Par contre, je voulais tester... comment il s'appelle? GTFO, si ça t'intéresse de le tester. Eh, mais je te connais, toi. Ah, mais voilà, c'est elle. Mais c'est sûr, c'est elle. Voilà. C'est un mec. Viviane, bonjour, beau jeune homme, je peux t'aider? Tu veux savoir si je connais le marchand? Non, je crois pas, désolé. Ne me regarde pas comme ça, ça me gêne. T'es un garçon. La pêche, c'est trop bien. On branle rien, on parle pas, on boit, c'est ça. Redis le nom, GTFO. 4 lettres. GTFO. Il n'y a pas de sottise, mon grand. Allez, si tu vas pas bien, va-t'en. Ok, ok. Je vais la confronter. Hein. Regarde pas comme ça. T'es jolie. Trouve pas ma tenue ravissante, elle te plaît? Je suis sûr qu'elle t'irait bien à toi aussi, d'ailleurs. Elle te rendrait encore plus séduisant. Ce n'est pas donné, bien sûr, mais ça va changer ta vie. Ah, bah voilà, j'ai récupéré. Hein. 600 rubis. Ah, il me manque 50. Et il me manque 50 rubis, mais ça c'est pas un problème. Vous allez voir. Tu veux vendre 2-3 babioles là? Vasak. 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 Qu'as-tu à me vendre? Alors attends. Non, pas ça. Pas ça. Ça se vend combien une fée? Ça se vend 2 rubis une fée, c'est un scandale. Hein. Bah, ça c'est quoi? Ah, je vais vendre 10 trucs comme ça. Allez. Voilà, comme ça j'ai 600. Qu'en rupture? Il n'est pas dispo sur Steam parce qu'il est en early access, hein, c'est pour ça. Ok, il est dispo que sur Steam pour l'instant. Oui, tac 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 tac. Allez, je vais lui acheter sa panoplie, l'autre. Non. Hop hop. Allez, madame, enfin, monsieur, dame. Allez, donc on lui refait, t'es joli, voilà, il va me dire que ça me va bien, je veux lui acheter. J'achète. J'ai 0 rubis. T'inquiète pas, je ne regarderai pas. Ah, du coup, je suis sapé comme un Gerudo. C'est quoi cette musique? Wow. Adorable. Je savais que ça tirait comme un gant. Comme ça, tu ressembles bien à une jolie jeune femme. À une bien jolie jeune femme. Avec ces vêtements, personne dans les environs ne se doutera que tu es un garçon. En plus, comme c'est une tenue Gerudo, elle est très aérée. Tu devrais mieux supporter la chaleur du désert.
Merci de ta visite, ça m'a fait vraiment plaisir. Tu reviens quand tu veux, bonhomme. Toujours un plaisir de discuter avec un charmant garçon comme toi. Oh, j'ai vu la beubare. J'ai vu la beubare. Fais attention au vent. Même j'ai pas de barbe, moi. Reviens me voir si tu veux encore te déguiser en fille. Ok. Ah, mais attends, je peux me téléporter cette fois. Pas besoin de refaire le trajet. Tu vois, parce que c'est là-bas que je dois aller, mais. Je peux me TP ici. Hop, voilà. Juste à côté, au sanctuaire. Morceau des sables. Ça va faire comme les chevaux, en fait, les morses des sables. Je sais pas, je sens que je vais me faire gauler quand même. Non ? Ah, ça passe. Impeccable. Infiltrer la cité des femmes. Et du coup... Ah, mais attends. Est-ce que lui, je peux pas lui parler vite fait, là ? Y'a un mec là, non? Il est où? Ah, il est plus là. Il est plus là. Il est plus là. Y'a un goron là-bas. Si c'est quelqu'un qui... Ah, qui court, oui. Ah, y'a un marteau. Qu'est-ce que tu fais? T'es fou. Marteau en fer, j'ai quoi comme arme là? J'ai une torche, épée électrique 22, épée de soldat c'est pourri. Ouais, c'est moins bon. Ah, il y a une arme aussi sur le côté là. Ah bah voilà, 100 rubis, allez, pour qui ça? Voilà. Là, il y a des gens, ok. Observons, observons. Examinez, c'est quoi ça? Ah, des nouvelles tenues. Non mais j'aurais pas assez. J'aurais clairement pas assez. Ce corsage de demoiselle, un autre coloris, non? On peut changer la teinture des vêtements? On peut les faire teindre au levant à la limite. Ah bah oui, ouais, ouais, d'accord, mais c'est bien, ouais. J'ai besoin d'autre chose. Ah non, du coup. C'est ça, en fait, faut que j'aille directement dessus. Ouais, ça change rien. En fait, ça, c'est ce que j'ai déjà, ça. Bonjour, c'est là, des champignons. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est à manger ça? Cristal de sel. Quelque chose me dit qu'il faudrait que j'aille là-haut. J'ai envie de visiter quand même. Plein de trucs là, c'est quoi ça? Ah, c'est encore des flèches? D'argent. Ah ben voilà la viande. Il y a une quête secondaire, ok, on la fera plus tard. C'est quoi ça? C'est une auberge. Hôtel l'Oasis, ok. Oasis is good. Et c'est le marché. Il y a quoi là? C'est pas de chance, what? Qu'est-ce que c'est ici là? Y'a rien? C'est quoi ça? Bijouterie. Ah? J'ai rien vu. Y'a rien. Pas de bijoux? Y'a pas de bijoux. Bon bah on oublie hein. Bah allez, je vais monter les escaliers.
Oui, dis donc. Alors costaud là. La princesse, la reine, je sais pas qui c'est. Bonjour. Riju. C'est la chef. Tiens donc, une voyageuse. Je peux savoir ce que tu me veux? Oh, tu possèdes un objet drôlement rare à ce que je vois. Ah, l'objet rare, c'est la tablette Chétan, j'imagine. Je te trouve en présence de Riju, le chef du peuple Garudo. Si tu veux lui parler, fais-le, mais ne t'approche pas. Du calme, Betera. J'arrive pas à doubler les femmes. Cette vaille ne semble pas être une voyageuse ordinaire. Quel est ton nom, étrangère? Je vois. Eh bien, Link, as-tu quelque chose à me demander? Je t'écoute. Oui, la créature divine. Bon. Montez à bord du Naboris. Et seuls ceux qu'on appelle les prodiges, comme Urbos à la Grande, peuvent le piloter. Ils ont péri il y a 100 ans lors du grand fléau. Alors ne dis pas de sottises. Mais attends, Betera. Ma mère m'avait parlé d'un épéiste tombé au combat il y a 100 ans pour protéger la princesse d'Hyrule. Elle l'aurait fait plonger dans un profond sommeil. Il s'appelait Link, comme cette personne. Curieuse coïncidence, tu ne trouves pas? J'ai entendu dire que le prodige Ilia possédait une épée légendaire. C'est vrai, ça, j'ai toujours pas l'épée. Hein. Si je me souviens bien, la princesse Hyrule parlait de cette épée comme d'une lame purificatrice. Il paraît qu'elle l'aurait scellée dans les bois perdus. Ah, les fameux bois perdus. Zelda 3, Link to the Past, Excalibur. Mais regarde l'objet accroché à sa ceinture. Il s'agit sans aucun doute d'une réplique du clan Shekan. Shetan. Sheka. Sheka. Ah, je doute qu'ils aient confié un objet aussi important au premier venu. Quand bien même, il n'y avait pas de vrai Ilien parmi les prodiges. De vaille. Vaille. Ne se vaut rien, tu es un voy. Si Bethesda, j'allais dire Bethesda. Mon dieu. Si Bethesda a raison, alors tu as commis là un grand crime. Cependant, si tu es réellement un prodige, ça change tout. Jamais nous aurions traité rudement un ami d'Urbos à la Grande. Et puis, nous aussi, nous voulons calmer Naboris. Je pense que tu as déjà remarqué la présence de cette bête. Celle que la tempête de sable protège et qui foudroie quiconque s'approche, la créature divine Vanaboris. Nous devons à tout prix l'arrêter, mais seul, nous ne pouvons rien faire. Si tu es vraiment un prodige, acceptes-tu d'entrer dans la créature divine et de l'apaiser? Mais nous ne pouvons pas confier une mission aussi importante à un parfait inconnu. Pourquoi ne pas l'envoyer récupérer le masque du tonnerre d'abord? Nous verrons ainsi de quoi il est capable. Ce n'est pas une mauvaise idée. Je vais être honnête avec toi. Il n'existe qu'un seul objet capable de te protéger de la foudre qu'a fait tomber la brise. Il s'agit d'une relique sacrée qui se transmet dans ma famille de génération en génération. Le masque du tonnerre. Malheureusement, crois-le ou non, il a été volé par des bandits. S'il est réellement un prodige comme il le prétend, il ne devrait avoir aucun mal à le récupérer. Tu veux en savoir plus sur les bandits qui ont volé la relique? Va parler aux soldats. Va d'abord voir la capitaine de la garde, Cheriza. Elle se trouve dans la caserne en bas. Sans cette relique, il est impossible d'approcher Naboris sans se mettre en danger. Ce n'est pas tous les jours que nous recevons l'invité comme toi. C'est sûrement Urbos à la Grande qui a guidé tes pas. Ah oui. Et oui. Va, Naboris. Tiens, je patauge. Donc, elle est où la chef là? La commandante? Ah, ça doit être elle. Soit elle. Ah, c'est elle. Costaud aussi là. Ouh la vache! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Cheriza. Ce sont des baraquements de soldats, assurant la protection de notre chef. À cause des bandits, la sécurité a été renforcée. Les civils venus faire du tourisme n'ont rien à faire ici. Comment, Bethesda? Pardonne mon comportement, je m'appelle Cheriza. Je suis la capitaine de ces soldats. La relique de notre peuple a été volée il y a peu par des bandits du gang Yiga. Nous sommes toutes sur les nerfs. Nous avons bien repéré leur repère au fond de la vallée du Kaltis. Mais c'est bien trop difficile d'accès.
Mes soldats sont exténués. Je voulais justement recruter de nouvelles têtes pour reprendre les recherches. Oh. Écoutez-moi, soldats. Cette vaille hylienne va nous donner un coup de main. Je compte sur vous pour l'assister. Oh. Tu fais partie des nôtres maintenant. Si tu as des questions, n'hésite pas à aller voir mes soldats. Elles te donneront des informations précieuses. Okay. Sur toi. Mmh. Je ne vois pas Brick. Où est-elle? Oh. Elle s'est précipitée hors de la cité, disant qu'elle avait observé le repère des bandits. Ah, qu'elle va bien, ça fait déjà 2 jours. Ah oui. Oh. Imbécile. Pourquoi l'as-tu laissé partir seule? Pourquoi n'es-tu pas venu m'en parler avant? Scandale. Ah. Et désolé. Elle dit qu'elle allait juste jeter un coup d'œil. Ah. Mmh. Incapable. On doit maintenant aussi retrouver Brick, comme si la disparition de la relique ne suffisait pas. Oh. Si le capitaine venait la prendre, elle nous punirait. Et à nous, les centaures du désert. Oh. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je suis en train d'y réfléchir. Bien. C'est quoi ça? Lunaire. Ouais, c'est bien. Alors attends, on va aller où là? Ah, il faut aller ici. Va à Boris. Mais non, Van Aboris, c'est la créature. What the fuck? Je veux dire soldat, ouais. Bah... Qu'est-ce que c'est? Non, fais pas ça. On va prendre ça d'abord. Hop. Il n'y a plus d'éclair. Pour l'instant, il n'y a plus d'éclair. Ah, c'est ça que je veux faire, voilà. Récoltez plus d'informations dans la caserne et dirigez-vous vers le repère des bandits. Ah, c'est ça, c'est le repère des bandits là-bas. Nous entraînons à la lance. Okay. Ça, c'est pas fait. La vallée de Kaltis. Bon, bah, je pense qu'il faut juste que j'aille à la vallée. Ça va le faire. Peut-être reprendre un morse. Bonjour. Ah mais j'ai pas... Si, j'ai des rubis. Tempête ferrage. Oh, que c'était qui, toi? Ça va, qu'est toi? M'appelle Tuska, j'ai 35 ans, je suis informaticien. Je suis célibataire et ma passion dans la vie, c'est le jogging. Pourquoi t'en portes pas un, alors? Désolé. Tout le monde me dit que du bien de moi. On me dit souvent que je ne sais jamais quand m'arrêter. Tu te promènes toute seule, ça te dirait de... Adieu. Ah. Oh. Sniff. Sniff. Ouais, ça va aller. T'arrive pas comme ça. Hein. Allez, je vais récupérer un lézard. Incroyable. On va passer par la grande entrée et je vais essayer de prendre un morse. Stylé les morses. J'essaie d'en prendre un comme ça, parce que ça m'évite de payer 20 rubis. Faut chier. Là j'en ai 100 je crois, mais... Je peux éviter. Faut pas là, c'est pas... Comment on fait là? Là c'est todo recto, todo recto. Là. Merci Albu, Albu M, Albu M, je me follow.
Ah non, je peux pas les défoncer comme avec le cheval. C'est quoi là-haut? Y'a un truc là? Non, c'est pas là du tout. Ah, barrez-vous. Y'a un truc là, c'est quoi ça? Qui reste là. Ok, il m'a fait peur ce con. C'est vraiment histoire de me débarrasser de l'os. Ok, merci. Ah, t'as drop quoi, toi? Arc de chevalier. Arc de chevalier. Ouais, c'est 26, moi je suis déjà full. À la limite, sinon je vire celui-là. Je virerai celui-là. Celui-ci, là, tac. Et hop, arc de chevalier. Voilà. Est-ce que t'as drop, toi, petit coquin? Que jaune de les Alphos. Ça patoche. Ah, ça, c'est quoi? Je peux pas le prendre, ça? Non, qu'est-ce que tu fais? Arrête. Arrête, je pouvais le ramasser, là, monsieur l'arbitre. Arrête de bouger la caméra comme ça. De voyageurs. Ah mais attends, j'ai froid en fait là. Je suis en train de prendre... Merde, c'est pas ça. Désolé. J'ai froid, il faut que je change de fringue parce que dans le désert il fait froid la nuit. Voilà. C'est bon. Par contre j'ai perdu mon... Ah non, il est là, c'est bon. D'ailleurs j'ai perdu mon morse. Pas du tout. Faire chier ça. Faire chier toi. Traverser là. Ah, merci. Ah, il m'a entendu le con. Il y a une bonne ouïe, hein, le morse des sables là. Ah, j'ai plus de petites cartes. Regarde, j'ai plus de mini-map. Voilà. Ah, on revient sur la mini-map. Parfait. On sait par ici. À toutes, Tessie, à plus. Avant les congés. Donc 6 jours avant les congés, ça arrive. Oui, un peu trop static. Quoi ça? C'est embuscade. Il va tout arriver, hein. Heureusement que j'avais un morse. Hein. Je pense qu'il va m'attendre ici, je pense.
Mais attends, elle va pas trop loin, mec. Va pas trop loin. T'es bien ici, t'es très bien, t'es parfait. Et il fait le fifou là. Oh bah t'es quoi, tiens? C'était quoi, des crapauds? Ah bah attends, on peut aller par là? On peut aller par là, mais c'est peut-être pas une bonne idée. Ah merde, lune rouge et tout là. Lune de sang ou je sais pas quoi. Shit. Shit, shit, shit. La lune de sang. Elle brille à nouveau cette nuit. Link. Ouais, mais ça, par contre, on sait comment ça fonctionne. Je le passe. Je me permets de le passer, on l'a déjà vu plusieurs fois. Donc, lune de sang, lune de sang. Doubert. Ah, mais il y a des émanations maléfiques là. Hein. Non, c'est toujours pas ce que c'est, ce bordel là. Ça sert à rien ça. Ah, première, attends. Quoi ça? Oh! Ça part! Ok. Il n'y a pas de drop des trucs que je connais pas? Ah, des rubis. Super, 25 rubis. Plus 5 aussi, non? Non, plus 25 au total. Les bananes lames, impeccable. Y'a pas drop un truc semblait avoir vu un triple point d'interrogation. Bataille sans doute révèle. Par contre j'ai pris cher là, non? Carotte vigueur. Hop, allez. Un petit peu plus, ça fait pas de mal. Bizarre ces trucs là. Là-bas, il y a des minerais. Par là. Tenant. Il va y avoir une baston, là, je le sens. Hop! Ah bah non. Y'en a d'autres? Wow! Ok, merci. De prendre très cher, vite moi, mangeons une carotte. Je vois rien. Rien du tout. Ok. Là, j'ai récupéré un gars, il y a quoi là? Les arcs à double encoche. C'est ça? Ah oui, mais c'est. D'accord, c'est parce que c'est des doubles. Salut Dark Furax. La forme, et puis toi? D'accord. Ah putain, ils donnent des rubis ceux-là, hein. C'est sympa. Par contre, ils sont violents, hein. Ils font mal, hein. Assez mal. Faut dire j'avais une arme pourrie là. Mais vraiment j'utilise des armes pourries en premier, histoire qu'elles cassent. Voilà, c'est tout. En fait il y a juste ça comme protection. Trois gars. Non, il va y avoir des épreuves là.
Le voisin. Marche. Un arc. Bizarre cette histoire. Faut pas que je tire dans les yeux, non ? C'est trop dur. Je vais aller là, j'ai vu une issue là, voilà. Encore une torche. Serre-coupe-gorge, si. J'essaierai pas de leur tirer dans les yeux, là. Enfin, quelque chose, là. C'est que c'est bordel. L'artiment est plein. Alors, attends, je vais virer un truc. Je vais virer quoi ? Non, fais pas ça. Je vais virer. Je vais virer celui-là en fait. Non, ça trigger rien du tout là. Ça ne trigger rien du tout. Qu'est-ce que je peux faire ici ? Je peux monter ? Non, mais y a rien. Je crois. Censé pouvoir continuer, mais par où ? Ah ouais ! Je crame. Non ? Ah, je sais, je vais cramer les tapis. Voilà. Ah, du coup, il y a une entrée là. Et ben voilà. Il y a donc une entrée cachée. Et c'est. Oh, le one shot. Bonjour. Y'a quelqu'un ? Je me dis qu'il y a encore une chauve-souris, mais je sais pas où elle est. C'est pas grave. Elle est là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans ? Flash, ouais. Des rubis ! Saphir brut, c'est pas mal. Pas mal. Ah mais attends, il y a encore un truc là. J'aurais pu utiliser juste la torche, non? Je sais pas, peut-être. Non, c'est pas grave. Donc, ça c'est fait, le coffre il est fait. Ensuite là, il y a quoi? Il y a rien. Ici. Il y a rien. Ah, il y a rien. Hein. Quelqu'un encore ? Mais d'où ils sortent ? C'est quoi c'est ? Non. La gifle. Au de Zeus. Alors ici. Ah, il y a encore un coffre. Ah, cassé, merde. Champi. Ok. Ici. Rubis violet, je prends, ça fait toujours plaisir. Je suis arrivé, j'avais pas grand chose. Hein. Là, je suis plutôt content d'un salon. C'est là où il faut aller. Là, j'y suis déjà allé. Et ici. Y'a que dalle, ok. Pour pouvoir progresser. Le repère des gigas. Eh ouais. Ah, il s'est fait kidnapper la dame. C'est quoi ça? C'est les bananes!
Hop, la petite serpette. Bonjour. Ah, c'est Brick. C'est elle, c'est Brick. Je repère des bandits qui ont volé le masque du tonnerre. Là, je sais, ouais. S'ils te trouveront, ils appelleront leurs camarades. Et là, ce sera fini de toi. Oh. Seulement, il y avait un moyen de les distraire. Et tout ce qu'ils font, c'est patrouiller ou manger des bananes. Quoi qu'il en soit, c'est trop dangereux ici. Alors, enfuis-toi. Je trouverai bien un moyen de m'en sortir toute seule. Je vais t'aider. Calme-toi. Sympa la musique, j'aime bien. On peut pas qu'il me voit, c'est ça? Je vais voir si je peux pas le surprendre. Ce serait pas mal. Ah non ! Je vais m'en sortir ou c'est foutu ? Oh my god ! Ah mais il m'a one shot, mais one shot. Je vais dire il m'a one shot d'un coup. D'accord. Vache. Pourquoi il a pas voulu lui faire son coup par derrière là? C'est bordel. Ah, est-ce que je peux pas les distraire avec des bananes? Ça on l'a lu hein, on permet de... un truc costaud genre ça voilà. Je vais me le faire. Hein. Voilà. Voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne. Il y a un truc là-haut ou pas? Il y a forcément un truc là-haut. Hein. Rien du tout. Ok. Là-bas, il y a un gars. Je peux pas faire tomber un truc sur lui. Je peux pas jeter une banane pour la tirer. Ça serait marrant. Donc on peut pas essayer ça. Ça serait énorme. Ça l'attire. C'est génial. Ce jeu est génial. C'est de la bombe. Non, fais pas ça. Arrête de grimper partout là. C'est quoi là-haut? C'est un arc encore, non? C'est ça? Ah non, c'est une serpette. Et là-haut, il y a encore des trucs, hein. Quel... Ah, si je peux tous les attirer avec des bananes, c'est pas mal, hein. Saphir. Tout bien. Tout bien, carayou. Qu'est-ce que tu fais, tu veux ou toi? Le faire. Le faire. Évident.
Il y a tellement de trucs là. Je vais être richissime. Non, fais pas ça. Il va me voir lui, non? Je peux tout faire en discrétion, je pense. Hein. Que je me fasse lui, mais non, il va me choper celui qui surveille là. Il va tellement me choper, pas possible. Je fasse aller là-bas. Où les bananes? Ah, je vais lancer les bananes. Au cas 10, tu vas pas revenir, je te le dis moi. Hein. Par contre, j'ai pété ma hache. Elle est brisée. Mais c'était sûr qu'elle se briserait, donc il me reste ça quand même, glaive. Je me les fais tous parce qu'il y a du loot quand même. Hein. Oh, pardon, petite remontée d'huile. Ah mais c'est pas possible, tu l'as ok. Ok, ça passe avec le glaive. Champi. Il reste un gars ici, c'est ça. Hein. Ah mais je peux passer normalement avec le tonneau, je crois. Là, je peux passer avec le tonneau, il me semble. C'est n'importe quoi. C'est nimp. Alors, regardez ce que j'ai raté des trucs ou pas. Rien. Il y a potentiellement des choses aussi. Excellent, cette ambiance, j'adore. Celle-là. Il n'y a personne. Ça ouvre. Banane. Oh yes, 10 flèches. C'est cadeau ça. Ici y a quoi? Je peux me reposer là, c'est ça? Imagine. Ramasser quoi? Ramasser. Ah oui, un arc encore. On va le casser ça. Oh bon, on est pas mal là. Hein. Salut Axwell, bonjour. Bien avancé, hein. Depuis samedi
Depuis samedi, depuis le dernier stream, ouais, c'est vendredi soir. Mais j'ai pas avancé, non, j'ai recommencé là, il y a même pas une heure, figure-toi. Eh. Je suis relativement efficace, il faut l'avouer. Hein? Bon. Tiens, regarde, il y a encore des bananes là. Oh! Il y a tellement de choses. Il y a tellement de bananes. Incroyable. Beaucoup trop de bananes. C'est l'autre dur à la fin du niveau, je vais me gaver. Nice! C'est bon ça. Ah non, pourquoi? Et si je fais genre ça? Ah, ça marche pas. Bon, après, si c'est juste pour des bananes, je vais peut-être pas non plus attarder trop longtemps. Non, attends. What the fuck? Je viens d'où, moi? Non, je viens d'ici, moi. Eh oui, il y a encore des bananes là. Mais en fait, ouais, on peut tellement attirer les mecs. Ok, attends, moi je venais d'ici, j'ai fait ça, je suis allé là, tout fait ici, donc je suis allé là. Et Kevin, il y avait plein de coffres, j'en ai pas vu moi. Là j'en ai un que j'ai ouvert. Non, après j'ai vu que des bananes. Ouf! Sale. Du coup, c'est j'ai le masque là ou pas? Je peux pas se bruit, pas du tout. Oh, sale. Il y a des coffres semi-enterrés. Merde, t'as le coup d'œil toi. Ah non, il veut pas monter là. Non mais ça doit être là, j'ai loupé des trucs là. C'est un labyrinthe ou quoi ça? Non mais j'ai tout fait ici là, c'est pas ici. J'ai pas déterré de coffre, toi. Non, j'ai pas déterré de coffre. Pas possible, c'est pas ici. Mais là, non, mais oui, le jeu il me dit que c'est par là. Ici, comment je fais pour aller là-bas, moi? J'ai dû rater des trucs. J'ai raté un emplacement ou quoi? Une salle. Qu'est-ce que c'est? Non, arrête. Ah, au-dessus là-bas? Pas par là? De grimper là. Non, fais pas ça, arrête. Hmm. Ah, j'essaie de passer par là-bas. Hein. Si je suis là, je peux aller où? Ah, mais y'a rien au-dessus. C'est que ce délire là. Bouge.
Ah mais non, mais c'est là-bas. Regarde, qu'est-ce qui se passe ici? Wow! Ah mais non, mais carrément pas. Le capitaine Jubei. Je vois plus rien, c'est nul ce que tu fais. Effectivement, c'est un peu naze. A mon avis, c'est pas par là qu'il faut aller. Hein. A mon avis, ça c'est plutôt la. Plutôt la sortie, ça. Plutôt la sortie. Mais alors, du coup. Ah, mais tiens, il y a un coffre là. Vas-y, nice. Ah, ça doit être par là. Par là, et puis il faut bien que je regarde. Le petit Link. Ah, il y a ça aussi, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est quoi? C'est ça, le coffre enfoui là? Ah, je sais pas comment on les déterre, moi, ces trucs là. Avec la force, mais c'est quoi la force? Avec la force. Ah, avec la force. Avec ça, d'accord. Ah, oh! Oh! Oh, il y a des trucs là! Ruby. Ah ouais. Nice. C'est là où ça loot dur. Ah ouais mon vieux, je suis ravi. Hein. Ah reviens. Ouais, topaz hein. Oh, ça sent l'arène. Ça sent la baston. Ouais, il est là. Salut. Ah t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fiches ici? C'est là que je fais ma sieste à l'heure du vent. Oh. Ah, ce truc accroché à ta ceinture, me dis pas que c'est la tablette Shaitan. C'est bien elle hein? Ah oh, mais alors dans ce cas... Mais c'est toi Link, le minus qu'on cherche partout. Oh quelle veine. Notre proie, j'ai pas eu... Hein? Mais attends, quel manque de savoir-vivre, je me suis même pas présenté. Oh, je suis le chef suprême du gang des Yiga, le beau, le puissant, le seul et l'unique. Le grand Koga. Prépare-toi à mourir. Oh, merde. Et voilà.
Ah, bâtard. Et il est tout pourri. Moi ? Qu'est-ce que tu fais ? Je suis énervé, je tape du pied. Ah ouais. Ah mais faut que je fasse tomber les trucs sur sa tête plutôt. C'est bon, j'ai compris. Il va faire sa petite danse là. Hop, voilà. Facile, facile. Allez, fais ta petite danse, fais le malin. Hop. Voilà. Mais c'est impossible que t'arrives à me tenir tête, Técaminus. Hein? Et tu crois que je vais laisser passer un tel affront? Faut pas que je laisse la colère prendre le dessus. Tu me tapes vraiment sur le système, mais il n'est pas question que tu continues à m'humilier comme ça. Oh? J'ai une idée. Les choses sérieuses vont commencer. Tu m'obliges à utiliser l'arcane secret de mon clan, tu vas payer. Oh, j'arrête ta peau. Oui. Kakebuchino Tutsu. Moi, j'ai jamais vu un truc aussi énorme, pas vrai, hein? Moi, je te vois même plus. Bon, peu importe, hein, puisque tu vas disparaître, seul le chef du clan peut utiliser cet arcane suprême. Et... Lâche, je m'en souviendrai. Et vive les Rolling Stones. Nice. Je suppose que c'est le masque. Oula, oui. Ah, ouais, j'aimerais pas tomber là-dedans, moi. Hein. Tiens, c'est un trou de verre. Hop là. Masque du tonnerre. La relique Gerudo que vous avez reprise au Yiga aurait le pouvoir de repousser la foudre de Laboris. Prenez-en grand soin jusqu'à ce que vous la rendiez à Ryu. Y'a pas un DLC doublage dispo, non? Ah bah voilà, bah écoutez, on va profiter de cet événement exceptionnel pour manger du travers de porc. Non, pas du tout, pour couper cette violée numéro 19, n'est-ce pas? Qui se nommera donc Yiga. Yiga, je sais pas comment ça s'écrit, mais incroyable. Bref, YouTube, à très vite pour la suite de Zelda. N'oubliez pas le pouce sur la vidéo, c'est important. À ce niveau-là, partie 19, si vous regardez ça, c'est que vous êtes déjà abonné à la chaîne. Donc n'oubliez pas le pouce. A plus.